Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mes tricots, mon tricot fini et mon tricot en cours. Voilà. Si Fifi ne vient pas marcher dessus, bien sûr. Donc j'ai terminé le gilet pour ma petite fille. Bon, je suis pas trop contente de mon gilet, mais bon. Que j'ai galéré avec je vais voir, vous verrez à la fin de la vidéo, parce que à l'heure où je suis en train de vous filmer, bien sûr elle l'a pas essayé, mais vous verrez dans la vidéo tout à l'heure qu'elle l'aura essayé, donc je donnerai son avis tout à l'heure. Le deuxième tricot que j'ai commencé, c'est un pull pour chouchou, donc mon mari. J'ai déjà bien avancé dessus, donc ça fait deuxième jour que je suis dessus. Et là, je suis arrivée donc aux emmanchures du dos. Non, Fifi, tu vas pas sur les pulls. Là, maman est... Non, 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 pas les papates. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Ceci vient de faire des accros sur les pulls. Excusez-moi. Et pardon. Donc voilà, je vais vous les montrer. Et je vais d'abord descendre Fifi parce qu'elle veut absolument aller sur les pulls. Mais là, je veux pas. Non. Non. Bon, je vous montre les pulls. Hein? Ce sera mieux. À tout de suite. Alors voilà. La chouchou, la petite fille. Donc voilà. Son pull. Bon, là, il n'est pas bien. Bon, il vient juste d'être terminé hein, aujourd'hui. Donc, alors voilà où je suis pas contente. Voilà, regardez. Voyez, j'ai mal mis au milieu le bouton et je ne peux plus l'enlever puisque la boutonnière est faite. Donc, bon, bah, tant pis, hein, que voulez-vous? Donc voilà le gilet. Bon, là, il n'est pas bien vraiment. Il faut que je le mette bien en forme. Hein. Il est pas. Il sort de mes mains là il y a quelques heures seulement. Voilà, mais bon, j'ai quand même galéré avec, je vous le dis. C'est surtout au montage. Hein. Parce qu'il fallait faire des plis. Voilà. Vous voyez, ici, il fallait faire des plis. Et ça, j'en avais jamais fait, mais bon. Donc, je l'ai faite avec une laine bergère de France en sport plus crème. C'est un modèle plassard que j'ai arrangé puisque elle ne voulait pas des manches courtes, elle voulait des longues manches. Donc, je lui ai fait des longues manches. Donc, on verra ce que ça va donner, si ça lui plaît et surtout si ça lui va. Ensuite, donc voilà. Regardez, ça m'a pas fait des bouclettes avec ses petites papattes. Si, elle m'a fait une bouclette là. Ah. Je vais l'arranger, c'est rien. Voilà, donc ça, c'est le pull pour chouchou qui est démarré. Donc, ah, si, oh, regardez-moi ça. Oh, la bouclette qu'elle m'a fait là. Oh la vilaine. Bon, ça je vais le refaire avec le crochet, c'est pas grave. Mais la voilà la vilaine. Hein, vilaine? Regarde, elle mange ses poils. Ah, je vais pas me dire. Donc, là je suis arrivée aux emmanchures, je viens de faire la diminution. Donc, c'est les emmanchures droites et après l'encolure. Donc, c'est avec cette laine-là. Bon, là, vous allez voir à l'envers. Ah, mais non, vous ne voyez pas l'envers. Je suis bête. Donc, Bergère de France. C'est de la Varisienne. Alors, c'est marqué où? C'est marqué là. Varisienne 7, bleu marine, qui se tricote en 6,5. Voilà. Je vous mettrai une photo du modèle. Je vous avais expliqué hein, le modèle. C'est, je vais vous le montrer là.
À la base, c'est un modèle normalement rayé, mais mon mari le voulait uni. Voilà. Ça, c'est le modèle du gilet que ma petite fille a voulu. Et voilà le modèle du pull que je suis en train de faire, mais tout uni du coup. Bon, donc là, j'ai encore du travail dessus, hein. Mais bon, ce sera tout en jersey. J'ai voulu, comme c'était tout uni, je lui ai demandé s'il voulait un point fantaisie sur le haut. Il m'a dit non, je veux comme ça. Tu changes rien. Bon, d'accord. Donc, il restera comme ça tout le long du pull. Mais bon, oui. Juste en jersey. Donc voilà, avec des côtes 1-1 en bas. Donc voilà. Ben là, j'arrête la vidéo pour maintenant. Demain, j'irai voir ma petite fille pour le gilet et on reprendra la vidéo à ce moment-là. Alors, soit qu'il y aura des photos, soit je la filmerai. Ça dépendra de ce qu'elle voudra faire. Et comme ça, vous verrez sur elle le gilet. Voilà, alors mais là, du coup, je coupe un petit peu la vidéo. Je vous dis à demain, mais là, je vous dis quand même à tout de suite pour la suite.